That's my best friend. Le Montana. Son grand ciel bleu. Tous ses trésors. C'est pas une région comme les autres. Et c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Et soudain, bonjour à toi, frère. Vous ne comprenez pas. On ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'est une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui ? Leur leader ? Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Mais je leur ouvrirai les yeux. Son arme. Et on reste en rang serré. Compris. C'est compris ?
Alors c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va! Il est dans l'église. Suivez-moi. Ouvrez l'œil. Est-ce que ces gens s'énervent assez facilement? Eh, hey, par ici. C'est pour ça que j'ai quitté une restaurant, ok? Qu'est-ce qu'ils font là? Du calme. Que tout le monde reste calme. Continuez ce que vous faisiez. Ça vous concerne pas. Shérif, ça me plaît pas. Tout ira bien, Hudson. Tout va bien se passer. Nom de Dieu. Portez les insignes, non? Ouais, et ils respectent pas trop ça par ici. Ils vont respecter mon 9 mm. On résout pas tous les problèmes avec une balle, Marshall. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Il faut qu'il nous laisse tomber. Du calme. Du mal, on va faire quelque chose. On va voir comment on va se laisser faire. Hey, Marshall. Si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière. Calmement. Sans heurts. C'est compris? C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall, essayez. Essayez simplement de ne pas faire de conneries. Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Ça va aller. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, on y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça calme. Suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non. Les voici. Les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans votre pays. Reculez tous immédiatement. Reculez. Ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis, dans une voix semblable au tonnerre, l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis. Devant moi. Un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Dieu ne vous laissera pas faire. Non! Non, non, non! Parfois, la meilleure des options, c'est de faire demi-tour. Allons-y. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant. On va droit. Chut, on vous laissera pas. Non, vous n'avez pas le droit. Restez sur la voie, petit. Par ça.
suis un marshal fédéral. Reculez. Je vous ordonne de reculer. Rangez ça. Dégainez. Centrale. Oh mon Dieu! Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Oui, père. J'ai foi en vous. Personne ne va venir te sauver. Vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi... les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. Ils sont d'ici. Que la récolte commence! Il faut qu'on sorte d'ici! Laissez-la! Seigneur Dieu, on arrive à se tirer d'ici! Qu'il brûle! C'est leur punition.
Oh non, Steve. Merde. Désolé. J'ai cru qu'il... qu'il t'avait... Allez. Allez. Fouille la pièce, vite. Oh, Seigneur. J'aurais jamais cru. Merde. On va foutre tous ces connards derrière les barreaux. Toute la famille. Putain, fanatique. On va sortir de ce merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre. Et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite, faut qu'on revienne ici. Avec toute la garde nationale. Et on se débarrassera de ce qui reste. Ok. Chut. Sans toi. Faut qu'on y retourne. Mais avec un bon plan. On sait pas à qui on peut se fier. Putain, Nancy. Oh non. Oh non. Ils ont barré les routes. Yeah.
Mes enfants, nous devons rendre grâce, c'est le jour dont j'ai fait la prophétie. Tout ce que je vous ai dit s'est réalisé. Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous ont désormais rejoint les bras aimants de ma famille. Tous sauf un. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Et c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin, je me contenterai de te livrer. Merde. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. Bye, have a great time.